Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Put your hands together. Put your hands together. Put your hands together. La plus grande erreur de
That devil is a bastard. Ce Satan là, c'est un bâtard. Yeah. You are hearing the word of God. Vous avez écouté la parole de Dieu. I am not coming here to come and sit up to Lolo Talala, no. Je ne suis pas là pour parler to Lolo Talala. There is no too much talking in. On ne va pas beaucoup parler. We are here and here and here. Nous sommes là et nous sommes là. How to preach? Comment nous allons faire cela? I will not say so much. Je ne vais pas beaucoup parler. You know your prophet. Vous connaissez votre prophète. It's not a word to encourage people. Il ne donne pas les paroles pour faire plaisir aux gens. But the act of apostle and act of prophet, out of prophet is. Il est là pour vous donner les actes des apôtres, les actes des prophètes et les actes du prophète Ebis. Même quand tu ne le talent. C'est pas comme yes. Ça là. Every day by day. Jour après jour. When you come to this ministry. Quand vous venez dans ce ministère. If you are not come one day, you are missing the greatest thing. Si tu n'es pas venu, tu as manqué un jour, tu as manqué beaucoup de choses. Every day by day. Jour après jour. Because our Lord is not called as stagnant. Parce que notre Dieu, c'est pas un Dieu qui est stagné. Every day by day, He will carry the grace to highest, to highest. I want to talk. Parce que jour après jour, tu vas faire te porter une grâce qui va grandir. I want to talk. Je veux parler. I want to talk. Je veux parler. Ayatale. Ayatale. Let it be the foundation. Let it be the foundation. Qu'est-ce qu'on appelle la fondation? Let it be the foundation. Qu'est-ce qu'on appelle la fondation? Foundation is mean what? La fondation signifie quoi? What is the foundation? Quelle est la fondation? Ask your neighbor, what is the foundation? Pose la question à ton voisin, quelle est la fondation? I'm not hearing you. Pose la question, what is the foundation? Quelle est la fondation? What is the foundation? Quelle est la fondation? I want to tell you something. Je veux vous dire une chose. I want to tell you something. Je veux vous dire une chose. Foundation. La fondation. That they are talking about today and preaching for you. Donc on parle ici, donc on vous a donné la prédication. You may not know what is the meaning of foundation. Vous pouvez ne pas savoir la signification de la fondation. But I want to tell you what is the meaning of foundation. Mais je veux vous donner la signification de la fondation. Are you hearing me? Est-ce que vous m'écoutez? Maybe I can the same time move from the same time God can use me to shout. To do all sorts of things. En même temps, Dieu même peut m'utiliser pour faire ses merveilles. What is the foundation? C'est quoi la fondation? Tell your neighbor, I am the foundation. Dis à ton voisin, je suis la fondation. Je suis la fondation. Oh my God, oh my God. Dis à ton voisin, je suis la fondation. Hear me and hear me clear. Écoutez-moi attentivement. I say hear me and hear me clear. Écoutez-moi attentivement. My word and my preaching. Ma parole et ma prédication. Is not coming here to entice people. C'est pas là pour faire plaisir aux gens. The more he does so, the more he regret. He will make a greater thing in your life. Plus cette parole te touche, plus cette parole va amener des changements dans ta vie. If you don't allow my word to touch you, that means you want to live with Satan and demon. Si tu ne permets pas à ma parole de te toucher, ça veut dire que tu veux vivre avec Satan et avec les démons. Because the word of God must share that. Only that word of God will cut on the one side. It's a two-sided word. Parce que la parole de Dieu ne vient pas pour couper un côté, pour enlever une partie. Elle vient pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. The word of God is a two-sided sword. Le père de tranchant. Oui, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? The same way he cut this side, the same way he cut this side. De la manière qu'elle coupe à droite, elle coupe aussi à gauche de la même façon. And the greatest one is look at me. Et la plus grande chose me regarde. I that leader. Moi qui vous conduis. The greatest one is look at me, is pointing me. Le plus grand me regarde, il me pointe du doigt. That is why I'm not looking your face. C'est la raison pour laquelle I'm not looking my mother's face. Yes. I'm not looking my father's face. Yes. I never spoke a word about it. Whether you kill me the way you take kill me, Stone. You take kill me, Stephen. You will kill me, I will not die like Stephen. Vous pouvez essayer de me tuer, mais je ne vais pas mourir. La manière Stephen avait prêché la parole. Quand lui avait lancé le caillou pour lui dire, tu peux faire comme tu veux. La parole que je prêche ne m'a pas battu. Ça appartient à Jésus-Christ. Ça sonne le triomphe de Dieu. Pour revenir vers moi. Lorsque je prêche, Dieu qui parle. Lorsque je prêche, Dieu qui prêche. C'est un très Tu peux arrêter la parole.
parole de Dieu? Qui peut stopper la parole de Dieu? Who can stop the mouth of Jesus? Qui peut stopper la bouche de Jésus? I told you I will not die. Je vous ai dit, je ne vais pas mourir. No matter you are doing, I will not die. Jesus will never leave me on again. You will not forward. You will not forward. You will not forward. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. I want to tell you something. Je veux vous dire une chose. I prophet Ebis is your call. Myself as a prophet. Moi, prophète Ebis, j'ai été appelé comme prophète. I am not. Hey, if you don't want to speak, drop the mic and go there. I am not called myself as a prophet Ebis. Je ne me suis pas appelé de moi-même comme prophète Ebis. The Bible said. La Bible déclare, what we are born for, what inside us that identify us. C'est ce qui est à l'intérieur de nous qui nous identifie. Amen. Title. Le titre peut t'abandonner un jour. But the calling of God. Mais l'appel de Dieu. Will never leave you. Ne va jamais t'abandonner. Yes, Papa. I want to tell you something. Je veux vous dire une chose. What will be the foundation? Qu'est-ce qu'on appelle la fondation? Foundation that the evangelist preached for you. What is the foundation? La fondation dont l'évangéliste vous a prêché. Quelle est you la fondation? You are a foundation. Vous êtes la fondation. The Lord has laid you as a foundation. Parce que le Seigneur t'a installé comme une fondation. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? No, listen to me. Écoutez-moi. This time that I'm standing, you may think and you can look me any other way, but I know what where I'm going. Vous pouvez me regarder comme je me suis tenu debout, comme je suis violent, mais moi je sais où je vais. Jesus said, I'm not come this world to make people pleasure. I'm come to fulfill the promise of my Father. Jésus a dit, il n'est pas venu sur terre pour faire plaisir aux gens. Il est venu sur terre pour accomplir la promesse de son Père. Are you in this ministry to accomplish the mission of God? Est-ce que vous êtes là pour accomplir la mission de Dieu? Yes. Are you in this ministry to complete the word of God? Yes. Who is a Christian? Qui est chrétien? Who is a Christian? Qui est chrétien? Who is a Christian? Qui est chrétien? A Christian. Un chrétien. That used to obey the word of God and follow the instruction of the word of God, doer of the word, that is a Christian. La personne qui respecte la parole de Dieu et qui obéit, qui pratique la parole de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle un chrétien. Ah, you are not hearing me. Vous ne m'entendez pas. Tell me, I'm a child of Jesus. Dis à ton voisin, je suis l'enfant de Jésus. Je suis l'enfant de Jésus. Tell me. Je suis l'enfant de Jésus. Je suis l'enfant de Jésus. Tell me, I'm a child of Jesus. Dis à ton voisin, je suis l'enfant de Jésus. I'm a side of Jesus. 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 Amen. I want to preach. Je vais prêcher. Like the woman that was telling you, I want to exhort you with something. Sur ce qui vous a dit, je vais un peu vous exhorter. What is the foundation? C'est quoi la fondation? La fondation, c'est le chrétien qui fait la parole, qui pratique la parole de Dieu. Qui a la foi, vraiment, qui regarde à Jésus. Qui est celui-là qui imite Jésus-Christ. La parole, mettre la parole de Dieu en pratique. Are you a doer of the word? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Oui, prophète. May God give you grace to practice in Jesus' name. Que Dieu te donne la grâce pour pratiquer sa parole au nom de Jésus. Christian. Un chrétien. Christian. Le chrétien. Then come foundation. What is the foundation? On parle de fondation. C'est quoi la fondation? Is it not the one that you are preaching? C'est sur cela que tu as prêché, n'est-ce pas? I come here. Is it not the one that you are preaching? C'est sur cela que tu as prêché. C'est ce que j'ai prêché. Okay. I want to invite you. Je veux vous exhorter un peu. Foundation. La fondation. What is that going to call foundation? Qu'est-ce qu'on appelle la fondation? You are a foundation. Vous êtes la fondation. You are a foundation. Tu es la fondation. I want to tell you. Je vais vous dire. Jesus. Jésus. Lay you in your own foundation, like as in own foundation. T'a posé comme fondation, comme lui-même il est la fondation. Jesus laying you. Jésus t'a posé, t'a installé. Yes.
as being a foundation. Comme la fondation. And you are the foundation of Jesus. Et toi, tu es la fondation de Jésus. And that foundation, et cette fondation that we are talking about, dont on parle ici, is already laid in you. C'est déjà été installé en toi. That is why he said to you, go the world and prosper. C'est la raison pour laquelle il a dit, allez-y dans le monde, allez-y prospérer. Go and multiply. Il a dit, allez-y vous multiplier. Go in the world. Allez-y dans le monde. And do what I promised you to do. Allez-y dans le monde, allez faire ce que je vous ai promis de faire. He has laid the foundation. Il a déjà posé, installé la fondation en vous. What did he destroy the foundation? Qu'est-ce qui a détruit la fondation? It is you that can destroy the foundation. C'est toi-même qui peux détruire ta fondation. Aya Tamala. I don't know whether somebody is hearing me. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. If your foundation is destroyed, si ta fondation est détruite, you are the one that can destroy your foundation. C'est toi-même qui peux détruire ta fondation. Because you are authorized by Jesus. Parce que tu as été autorisé par Jésus-Christ. To come this world, pour venir dans ce monde. Live according to his command that he has laid on you. Pour venir dans ce monde, vivre en correspondance avec les commandements qu'il t'a donnés. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends? That is why if you are not killed yourself, c'est la raison pour laquelle si tu ne te tues pas, somebody cannot fit carry a machete come and kill you. Quelqu'un ne peut pas prendre une machette pour venir te tuer. That is why, c'est la raison pour laquelle if you are not going to involve yourself in negative way, Satan cannot fit come to finish your life. Si tu ne pars pas t'impliquer dans les choses négatives, Satan ne peut pas venir dans ta vie en finir avec ta vie. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? If you are not taking your two legs to go somewhere and to go somewhere or to go the main road and you have accidents, if you are not doing that, accident of car cannot come to your house and enter your house to kill you. C'est la raison pour laquelle si tu ne prends pas tes deux pieds pour aller sur la route, la voie express, la voiture ne peut pas te tamponner. L'accident ne peut pas venir avec la voiture te trouver dans ta maison. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Because why? Pourquoi? Jesus laid his foundation on you. Parce que Jésus a installé sa fondation. What makes Satan to have opportunity in our life? Qu'est-ce qui a donné l'opportunité à Satan dans nos vies? We. Nous. We. Nous. We. Nous. Are the cause of many parts of our life. Nous sommes la cause de beaucoup de choses dans nos vies. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Because why? Pourquoi? It will bring Satan demon to your life. Nous amenons Satan, les démons dans nos vies. Evil. Les démons. Oh my God. Oh my God. Oh, can I go down the step of strength to preach? Go on, papa. Je vais rentrer dans l'escalier du français pour prêcher. Hein? Balance, papa. Amen. Je monte d'abord l'escalier du français. Parce que si je monte pas l'escalier du français, c'est un peu trop difficile à moi. Parce que anglais a son escalier. Français aussi a son escalier. Amen. C'est pour cela quand je monte à cet escalier-là, c'est par là que je vais. Parce que c'est lui qui m'utilise, mais il sait le français comme il veut. Amen. Attendez, c'est pas le roi. Alléluia. 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 Si tu fais la bonne bénédiction dans ta vie, la bénédiction commence à revenir. C'est devant toi. If you want a good blessing in your life, it is in front of you, it comes to you. Si tu veux la bénédiction de Dieu pour venir dans ta vie, c'est dans ton corps. If you want the blessings of God to come to your life, it is in your body. Si tu veux le malheur pour t'approcher, pour te revenir dans ta vie, c'est dans ton corps. If you want bad luck to come to your life, it is in your body. Toi qui connais ce qui est mauvais et ce qui est bien. Aïe. What is good and what is bad. Lorsque tu connais ce qui est bien, ce qui est mal. When you know what is good and what is bad. Tu ne peux pas aller toucher ce qui est mauvais. You cannot touch what is bad. Chose parce que le mauvais apporte sa bénédiction comme le malheur. Aïe. The bad one will bring his blessings like a good one. Le bien apporte ce bonheur comme le fruit de Jésus-Christ. Good ones will bring blessings like the fruits of Jesus Christ. C'est pour cela. That is why. Le bien. The good. Revient de Dieu. Comes from God. Le malheur. Bad. Revient de Satan. Comes from Satan. Pourquoi? Parce que toi tu connais ce qui est bien et ce qui est mal. Why? Because you know what is good and what is bad.
Qui peut voir le caca et puis veut dire que c'est la nourriture qu'il va manger? Who can see feces and eat as food? C'est fou, c'est fou. La personne est fou. That person is mad. Are you here? Are you here? La personne est fou, à la personne est folle. That person is fool and mad. Pourquoi? Parce que Christ. Why? Because Jesus. Parmi toutes les choses qui est dans le monde entier. Among everything in the world. Il y a que toi seulement qui ressemble. It is only you that resembles. Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Même les animaux. Even animals. Il n'a même pas. C'est vrai, partout, tu voyais là, c'est ressemblé à autre chose. Everything that you see everywhere resembles something. Même les oiseaux ne peuvent pas être ressemblés à Jésus. Even birds cannot resemble you like that. Mais la Bible nous déclare. But the Bible declares. C'est nous l'image de Jésus Christ. We are the image of Jesus Christ. C'est nous les images de Jésus Christ. The image of Jesus Christ. Dieu a créé comme son image. God created us in his own image. C'est pour cela que nous avons l'autorité sur toutes les choses que sur terre. C'est là que tu as l'autorité pour être commandé toutes les choses que sur terre. Pourquoi? Parce que toi, c'est toi le mange de Dieu. Mais si tu es le mange de Dieu, tu as une fondation qui est comme toi qu'on avait déjà fondé. Pourquoi Jésus-Christ est comme nous? Tu vois, tu es comme Jésus-Christ. Tu as la bouche, tu parles comme Jésus-Christ. Tu as la main, tu bouges comme Jésus-Christ. Les choses que les gens veulent crier sur terre, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler. Mais les animaux parlent à haute langue. Les animaux, ils comptent tous ceux qui crient parler à haute langue. Et toi, tu parles comme un enfant de Dieu. Toi, tu parles comme Jésus-Christ parle. Toi, tu manifestes comme Jésus-Christ manifeste. Toi, tu fais comme Jésus-Christ fait. Laisse-moi te dire, il y a une fondation qui a été laissée sur toi. Yeah. Amen. Comment ça va se manifester? How will it manifest? C'est toi-même qui va faire en sorte que ça va se manifester. It is you that will make it to manifest. Comment? How? Ça va être détruit. How will it be destroyed? C'est toi-même qui fait en sorte que ça sera détruit. It is you that will make it to be destroyed. Si tu n'as pas fait ça, don't do it. Ta fondation ne peut pas être détruite. Si tu ne cherches pas que ça soit détruit, rien qui peut détruire. Rien qui peut détruire ta fondation. Pourquoi? Parce que tu es la fondation de Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi te dire. Let me tell you. Laissez-moi te dire. Let me tell you. Ta bouche. Your mouth. Il y a la puissance. Has power. Your mouth. Il y a la puissance. Has power. La puissance. Tu sais pourquoi Dieu ne veut pas donner cette puissance? Vous êtes la fondation. Tel le même bon à mes fondations. Dis à ton voisin, je suis la fondation. That is why I used to tell you the history of the boss. C'est la raison pour laquelle je vous dis dans le ministère du boss. Si le boss a été prêt. À ceux qui sont contre lui, sa fondation est déjà détruite. If the boss gets space to those who are around him, he would have destroyed his foundation. S'il a été prêt, if he was ready, to donner l'espace, to give space, pour ses ennemis, for his enemies. Le ministère que tu vois aujourd'hui, le prophète, la nation là, the ministry of the il est déjà détruit. The foundation you see today would have been destroyed. Et c'est toi la bonne position pour lui moquer. And you'll be in the best position to mock at him. Parce qu'il ne donne pas l'espace. Because he did not give space. Pour le diable et le diabolique. For the devils and the demonic. Le royaume des ténèbres. The kingdom of darkness. C'est pour cela aujourd'hui il est debout encore continuer la mission jusqu'à personne ne peut rien faire. That is why he's able to be up today to do the mission until nobody can stop him. Amen. Vous savez, you know, les enfants de lion avaient le même sang que le père. The lion has the same blood like their parents. Pour te faire comprendre, to make you understand, ne tente même pas. Don't even attempt à détruire les fondations de l'autre. To destroy the foundation of another.
Et ne tente même pas. And don't even try. À détruire ta fondation. To destroy your foundation. Pourquoi ce qui va détruire ta fondation est dans ta bouche? Why? Because what will destroy your foundation is your mouth. C'est dans ta bouche. It's in your mouth. Évangéliste a parlé de la fondation, c'est pour cela, sinon je ne parle même pas. Evangelist spoke about foundation. If not, I wouldn't have spoken. La fondation, c'est toi. The foundation is you. C'est avec la même bouche que tu pêches. It's in the same mouth that you. C'est avec la même bouche que tu parles bien. It's the same mouth. C'est avec la même bouche que tu manges. It's the same mouth that. C'est avec la même bouche que tu prends pour mentir. C'est avec la même bouche que tu vas escroquer les gens. C'est avec la même bouche que tu vas tuer les gens. It's the same mouth that you use to kill others. Ça a encaissé combien de choses? I've taken how many things? Hein? Beaucoup. Quelqu'un me répond, ça a encaissé combien de choses? Beaucoup, hein? Beaucoup, hein? Pour te faire comprendre qu'il y a la puissance à l'intérieur de ces bouches. To make you understand that there is power in your mouth. C'est pour cela que ça a la puissance pour récupérer au même moment détruit, au même moment chassé, au même moment paralysé. That is why it has the power to bring blessings, to bring curse, to cut, to build. C'est pour cela que Christ ne peut pas habiter la bouche qui parle non. That is why Christ cannot stay in the mouth that speaks non. He can't be in that. Il ne peut pas rester cette bouche-là. Christ cannot stay in that mouth. Parce que la bouche que tu vas prendre pour demander avant que tu vas recevoir. That is the same mouth you will use to ask and receive. Quand quelqu'un parle trop. When somebody speaks too much, that person is not far from lying. C'est pour cela. That is why. N'utilise pas ta bouche pour parler n'importe comment. Don't use your mouth to talk anyhow. La même bouche peut te détruire. That same mouth can destroy you. Sans savoir. Not knowing. La même bouche peut bloquer ta bénédiction que Dieu a déjà parlé dans ta vie. That same mouth can block the blessing God has released upon you. C'est pour cela dit. That is why. Là où tu es là. Where you are. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que ma bouche parle aujourd'hui. 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 Par le nom tout puissant de Jésus. Par le nom tout puissant de Jésus. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Qui est sorti à ma bouche. Qui est sorti à ma bouche. Brûlé par le feu. Brûlé par le feu. Brûlé par le feu. This is the same maison de prière. If you are not praying, si vous ne priez pas, qui va vous donner ce que vous voulez? Jesus said, Matthew chapter 7 verse 7 said that ask shall be given to you. Dans Matthieu verset, sa Bible c'est verset 7. Yes. Dit, demandez on vous donnera. Knock, la Bible vous donne. Et cognez on vous ouvrira. Find, chercher. Cherchez vous trouverez. You find, that is why you come here. C'est parce que vous avez cherché que vous êtes arrivé ici. And here you are coming here, you are knocking the door with a prayer. Ici, quand vous arrivez, vous cognez à la porte avec la prière. If you are not praying, what are you going to get? Si vous ne priez pas, vous allez obtenir quoi? Begin to destroy the evil word that to come out from your mouth today that you are speak against your neighbor, speak against Jesus. Destroy them before you talk to Jesus. Il faut d'abord détruire toutes les mauvaises paroles que vous avez données contre vos parents, vos voisins, les gens que vous connaissez. Détruisez tout cela avant de demander quelque chose à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas parmi toutes ces choses que Dieu a parlé, quelque chose peut te bloquer. You don't know. Among all those that you have spoken, one thing can block you. I'm telling you. Je vous dis. In truth. La vérité. Upon all the things that you have spoken today, one can block you. Parmi tout ce que vous avez dit aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous bloquer? One can block your life. Une seule chose peut bloquer votre vie. So you need. Donc vous devez to open your mouth, ouvrir vos bouches, and to destroy those words et détruire vos paroles, be hindrance to your blessing, qui sont là comme des obstacles pour vos bénédictions, to be hindrance to your blessing, qui sont là comme des obstacles pour vos bénédictions. You need to destroy them with the fire. Vous devez détruire ces paroles avec le feu. Ouvrez vos bouches et commencez à prier. Priez, 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 priez.
paroles négatives qui sont sorties de ma bouche, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, toutes paroles négatives qui sont sorties de ma bouche, soient brûlées par le feu, soient brûlées par le feu, soient brûlées par le feu, soient brûlées par le feu. Pourquoi vous j'ai prié? Brûle toutes paroles négatives qui sont sorties de ma bouche. Toutes paroles négatives qui sont sorties de ma bouche, qui peuvent être comme une barrière pour ma vie, soient brûlées par le feu. Sois brûlé par le feu, 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 sois brûlé par le feu. Toutes paroles négatives qui sont sorties de ma bouche, qui sont comme une barrière pour ma vie, sois brûlé, 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 il peut être une barrière pour ma vie. Those things need to be destroyed. Les vieilles choses doivent être détruites. Those things need to be destroyed. Ces choses doivent être détruites. If you are not destroyed them, si vous ne les détruisez pas, then cannot fit allow you to get your blessing. Ils ne vont pas vous permettre d'avoir vos bénédictions. You may be seated. Vous pouvez prendre place. Yes. Clap your hand for Jesus. Acclamez pour Jésus. Can I talk to you? Est-ce que l'on peut te parler? Lève-toi. Can I talk to you? Est-ce que l'on peut te parler? Can I talk to you? Est-ce que l'on peut te parler? Lui, homme de Dieu. If not be born, you would not enter in grave. Si ce n'était pas Dieu, tu devais déjà être dans la tombe. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends? Because of the mercy of God that allowed you to stay on this time. C'est la miséricorde de Dieu qui t'a maintenu en vie jusqu'aujourd'hui. Am I talking to you? Oui, homme de Dieu. Je t'entends, homme de Dieu. Put your hands together for the Lord. Who is calling John? Qui en appelle John? You don't know me, I don't know you. I'm talking to you, just looking like a fool. Stay here, I'm coming. Can I talk to you? Yes, madam. Where is your wife? Où est ta femme? She's dead. She's dead. Elle est morte. That spirit is tormenting your life. Cet esprit de mort suit ta vie, tourmente ta vie. Are you me? Est-ce que tu m'entends? It didn't affect your life. Ça a affecté ta vie. And that one that is dead is not your first wife. Et celle qui est morte, ce n'était pas ta première femme. Oui, on a dit la première fois. And since that, oh my God, prophet, what is happened in the first one? The one that is dead. Qu'est-ce qui est arrivé à la première femme avant celle qui est morte? Because I'm seeing the strange things. Parce que je vois des choses étranges. She left me and went to America. Left you and went to America. What is the cause? Elle m'a abandonné et allée aux États-Unis. C'est quoi la cause? Hush. Hardship. Les difficultés. That has led her to go. C'est les difficultés qui l'ont fait partir. Lui, homme de Dieu. The thing is not a fault, it's a fault. Ce n'était pas sa faute. But you take it like as a fight. Ce n'était pas sa faute. Mais toi, tu as pris ça comme un combat, une bataille. You take it like before, as we do. You take that thing, any time that is complained, you take it as a fight. You use fight to oppress it. Et à chaque fois qu'elle te parlait de vos difficultés que vous traversez, toi tu prenais toujours ça avec la colère, tu étais fâché. Est-ce que tu m'entends? And the thing is not that since he's in your house, she was friends of all. Et depuis qu'elle était dans ta maison, elle était amie avec quelqu'un. And that thing, et cela permit her to leave you. L'a permis de te laisser. And before that, et avant ça, there is a poison in you. Il y a un poison en toi. That is destroying inside you. Qui est en train de détruire l'intérieur de toi. C'est vrai. Eagle's eyes.
chose. There was a time that you people did for the table and you ate the food you vomited. Il y a un jour où vous étiez à table, tu as mangé, mais tu vas pas, tu as vomi. Yes, yes. Si on ne fait pas cela, you can't get solution of this mess. Yeah.
pas trouver la solution à cette maladie. That is why prophecy. C'est la raison pour laquelle la prophétie. Have a pro. You know, that is a prophecy, authentic prophecy, but I don't know what. There is a prophecy that we have solution. Why? Because the prophecy not come from God. It comes from man. Il y a des prophéties qui viennent sans la solution parce qu'elles viennent des hommes. Mais la prophétie authentique qui vient de Dieu, elle vient avec la solution. That is the problem that you have. C'est le problème que tu as. But because God loves you. Mais le Seigneur t'aime. That is why he's still alive. C'est la raison pour laquelle il t'a maintenu en vie. And you live in drugs. Et tu vis avec des médicaments. And drugs cannot be used. You are tired of the drugs. Et tu es fatigué d'utiliser les médicaments. You can be. Demeurer ensemble. Nous sommes dans les actes des apôtres. Regardez ce qui se passe. Puissance, acclame pour le Seigneur. Power! Watch this. Mike, j'ai lâché les chasses. Au nom puissant de Jésus. La main de la Sainte Sœur. Au nom du sang de Jésus. Notre papa ici, ce soit la lumière, il va détruire tout signe de ténèbres dans sa vie. Frère, Jésus, ça se passe. Au nom du sang de Jésus. Ça va? Lève-toi. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus, je suis guéri. The Lord has set you free. Le Seigneur t'a libéré. Amen. So stay with Jesus. Il faut rester avec Jésus. Be with him. Il faut demeurer avec Jésus. Your sickness is gone now. True restoration. Ta maladie est partie et tu es totalement restauré. Good morning. You are welcome to the Salvation Christ Ministry New Generation. Let me please, can you tell us your name and tell us where you are coming from? Thank you. You're welcome once again. During the service of prayer and fasting on this Friday, the man of God, inspired by the Holy Ghost, walk up to you and give you some word of prophecy. Can you remind us what was that word of prophecy? Exactly. The country, the man of God helped me, the Lord helped me, told me that and asked me about my wife. And I told him that it was about his name. Said, I asked me again about the second, the first one. I told him that the first one was no longer with me. Then she was in London. And she asked me why. I said, because of passion. And he continued telling me about everything. He went to cross it in my body and confirm it that was true. Because I had been suffering since for 4 years. Even immediately I told him, I told the prophet that immediately I'm standing now, sick, seriously sick, even a prayer to paralyze it. And then the poison said, I noticed that it's in the body. So the prophecy is true. The man of
God also add that that poison that you ate bring IBB in your life? Is it true? It is true also. And the man of God also said that you are very sick and you are tired of using drugs because you are using drugs every day. Exactly true. I'm most regular using and taking drugs almost every day. Even before I go to the church, I take the drugs. Because my body, according to the results, they said that I'm having serious diabetes. Which no one can go. That I believe that it's positive, it is ordinary diabetes. I should not be working as of now. Because the degree in my body is more than 22.1 instead of 4.1. Okay. As all new prophecy of God come with solution, after the prophecy for you, he delivered you. Do you really remember what happened during the prayer? In fact, after the deliverance, I'm standing up here now. I'm feeling very fine. I'm no longer feeling too. Maybe the death is really sick. So I believe that all is well in the name of Jesus. So you really believe that through the prayer of the man of God, through the deliverance of the man of God, you are totally healed and delivered? I'm totally healed and delivered. Totally healed and delivered. I believe that I'm healed. We also believe with you that indeed yes. You are totally delivered and healed, and we pray that your deliverance will be permanent in the name of Jesus. Amen. We know that the best is yet to come and that you will come back to give your testimony in the name of Jesus. Amen. Amen. Pendant le service de prière et de jeûne de ce vendredi, l'homme de Dieu a donné un certain nombre de prophéties à l'homme. Il lui a dit qu'il avait l'esprit de mort qu'il. Il lui a dit qu'il avait l'esprit de mort qui le suivait, et lui a aussi posé des questions sur sa première femme. Et notre père, non, sa première femme l'a quitté, elle est allée à l'étranger. Et après ça, l'homme de Dieu lui a dit, on lui a donné un poison à manger, et que ça a fait attention dans sa vie. Et à cause de cela, il utilise des médicaments tout le temps. Et notre père a confirmé que toutes les prophéties de l'homme de Dieu étaient vraies. Et comme toutes les prophéties viennent accompagnées de solutions, l'homme de Dieu a prié pour notre père. Et après cette prière, notre père a commencé à bien se sentir. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. C'est Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Est-ce que je peux te parler? Lève-toi. There is a summoning before you. Il y a un voyage devant toi. Oui, homme de Dieu, acclamé pour le Seigneur. That summoning. Ce voyage. It's good to travel for that summoning, but I see that summoning is danger. C'est bien de voyager, il est bon de voyager, mais je vois un danger avec ce voyage. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as demandé l'opinion de Dieu avant de voyager? That's why you are here. C'est la raison pour laquelle je suis là. This is the first time to be here. C'est la première fois que tu viens ici. Yes, man of God. Oui, homme de Dieu. I first travel first before you travel. Je vais d'abord voyager avant que toi tu me voyages. Equus eyes. Stand, Papa. Professor Major. Diva. Yeah, Tabale. Major General. Yeah, Botale. Hey, are you allowing me to travel before? Yes. Est-ce que tu me permets? Yes, madam. Est-ce que tu me permets de voyager avant toi? Yes. Holy Ghost, Air Force One. Are you? How are you allowing me to travel? Comment tu vas me permettre de voyager? I allow you to travel so that you make the place. So that the way we open. Yes. Eh? Yes. Mighty Lord Jesus. Let me show you Jesus. Yes. You are watching the acts of Prophet Elise in Salvation Christ Ministry New Generation. The prophecies that come from God come with solution. Oui, vous suivez maintenant les actes du prophète Elise. Parce que toutes les prophéties qui viennent de Dieu viennent avec les solutions. That is the man that just received the prophecy from the man of God. Ça c'est l'homme qui vient de recevoir la prophétie de l'homme de Dieu. And that is the solution coming. Et ça c'est la solution qui vient dans sa vie. Watch your screens and be connected in Jesus' name. Suivez vos écrans et soyez connectés. Vous allez recevoir pour vous dans le nom de Jésus. Oui, l'apôtre Paul dit dans sa parole, ma prédication, ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance que nous sommes en train de suivre en ce moment. Toi qui es assis, tu reçois plus que celui à qui on a administré cette délivrance.
Applique juste ta foi et connecte-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, Apostle Paul says, my words are not to entice men. So watch in faith, connect, be connected, and you will receive in Jesus' name. Amen. The Bible says light and darkness has nothing to do with common. You can see the light of God walking through the anointed one, Prophet Amos, removing, separating the man that received the prophecy from the darkness in his hand has come to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came to restore. This is restoration through Prophet Amos in Salvation Christ Ministry New Generation. The acts of the apostles are not yet gone. Jesus lives. He never said goodbye. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. He is still saying something. Connect yourself in faith. For the Bible says only faith pleases God. So when you put your faith at work, you will receive in Jesus' name. Amen. Yes, there is a marriage where you go. That you are prepared. Ils ont préparé une image pour toi là-bas où tu vis. Marriage, there is a marriage. Il y a un mariage qui se prépare. Là où tu vas. There is a marriage that has been prepared where you are going. Yes, my love. Put your hands together for the Lord. Good, good, and possible. Prophesy, man of God. Diva. Who is married? Qui va se marier? To marry? Qui va se marier? Yeah, my daughter. Mon petit frère. Ah, my daughter. Comment j'ai fait pour savoir? Put your hands together for the King of Kings. Look, when can I tell you something? Because I've already traveled there. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Parce que je suis déjà allé là-bas. Je suis déjà arrivé là-bas. So when you go there, quand tu vas arriver là-bas, the marriage, au mariage, there is a trap for you. Il y a un piège pour toi. So what you are going to do? Donc ce que tu vas faire. Ayatabale. Scan, papa. I will give you only prophetic word to attend the marriage. Je vais seulement te donner une parole prophétique pour aller assister à ce mariage. A word that comes with power. Can I give you? Est-ce que je peux te donner une parole prophétique? Prophesy, man of God. Ayatabale. I want to tell you, give you. Je veux te donner cette parole. The prophetic word that you will give when you enter that marriage, you spoke those that word. That word that you are going to speak, it will defend you and it will secure you until they finish the marriage. When the attack comes, when the manipulation comes, then we stand, then see the light, then go. Amen. Et dès que tu vas arriver où il y a le mariage, tu vas donner cette parole prophétique, tu vas parler cette parole prophétique. Elle va te protéger, elle va te défendre, elle va te sécuriser. À chaque fois qu'ils vont vouloir faire des manipulations ou des attaques, ils verront la lumière de Dieu et ils vont fuir. Amen. Je reçois. Do you believe? Est-ce que tu crois? Jesus is the Lord. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Let the light of God appear me. Et que la lumière de Dieu apparaisse sur moi. When you meditate this word, this is the word that was given to you. When you stand there and you spoke, immediately the light will cover you. Until the attack comes, if it's not taken, some can manipulate, some can confess. Yes! Il y a le mariage, quand tu vas dire cela, tu vas répéter ces paroles prophétiques là, immédiatement la lumière de Dieu va apparaître sur toi. Et s'ils ne font pas attention, certains vont confesser au mariage même. Say that word. Dis cette parole. Jesus is my Lord. Cover me, Jesus. Light of God, cover me. Que la lumière de Dieu. The light of God, cover me. Amen. Amen. Accordez-moi Seigneur. Nous venons de recevoir tous cette parole prophétique. Take it in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Let there be light in Jesus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Put your hands beautifully for the Lord. Acclamez pour le Seigneur. Thank
stand up. Lève-toi. Stand up. Lève-toi. That is the word that was given to you. Don't forget it. If you forget this, you are missing out. Ça, c'est la parole prophétique qui t'a été donnée. Il ne faut pas l'oublier. Si tu l'oublies, tu vas te tromper de route. Thank you, Jesus. You are free. Merci, you are free. Tu es libre. You are free. Stand up. Lève-toi. Yes, stand up. Toi, lève-toi. Come here. Viens. Can I talk to you? Est-ce que je peux te parler? Hein? Can I talk to you? Est-ce que je peux te parler? What is happening between you and your mother? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ta mère et toi? I'm blessed. What is up with you? Qu'est-ce qui se passe entre ta mère et toi? Didn't say that. Because I'm seeing your mother not happy for you. Parce que je vois que ta mère n'est pas contente envers toi. Yes, she's not happy. Elle n'est pas contente. Who is the time that you hear a voice laugh? Quelle est la dernière fois que tu as écouté la voix de ta mère? After the bonne année, you still hear a voice again? Après les fêtes de bonne année, est-ce que tu as encore écouté la voix de ta mère? Oui, au téléphone. What she said? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? On se parle au téléphone. Elle me demande si je l'aide bien parfois, on voit des enfants. Go meet your mother. Va trouver ta mère. Because what is in your life? Your mother's not happy, but a mother that cares about a child, she's put in a corner and do her best, and it didn't affect your life. Oui, parce que ce qui se passe dans ta vie, ta mère n'est pas contente. Quand une maman se préoccupe de son enfant, elle met les choses de côté. Et elle fait de son mieux. Go and meet her. Il faut aller trouver ta mère. Talk to her. Il faut parler avec ta mère. Because it didn't affect your life. Parce que cela a affecté ta vie. That is why you are seeing people attack you in your dream. C'est la raison pour laquelle tu vois les gens t'attaquent en rêve. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends? That's why you saw yourself. They attack you. You find Oshepu. Nobody can shake you. C'est la raison pour laquelle tu vois t'attaques en rêve. Tu appelles à l'aide, personne ne vient t'aider. So you need to go and meet your mother and ask forgiveness for your mother. The same time, be reconciled with her and please, God, let peace reign. Unless he explains what is in her mind and let that thing be put an end. Oui, c'est la raison pour laquelle tu vas aller trouver ta mère, tu vas demander le pardon de ta mère, vous allez vous réconcilier et qu'elle t'explique ce qu'elle avait dans ton, son cœur pour que ce problème puisse terminer et que la paix puisse régner. That is for you. Ça c'est pour toi. Meet her before I see you. Stand up, madame. Il faut d'abord aller rencontrer ta mère avant que je vous dise. Stand up, can I talk to you? Lève-toi, est-ce que je peux te parler? Hein? Yes. Your ear, yes, a problem. Tes oreilles ont des problèmes. I'm seeing noise in one of your ear. Je vois du bruit dans l'un de tes oreilles. Bruit de tes oreilles. Viens. You may not know what I'm talking about. Tu peux ne pas savoir de quoi je parle. I'm not saying that you are deaf. Je ne dis pas que tu es sourd. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends? Yes. I'm not saying that you are deaf and dumb, but I'm seeing a noise. Sometimes you hear a noise in your ear. Je dis pas que tu es sourd, mais je dis parfois tu écoutes des bruits à ton oreille. That is why I'm talking to you. That is not a good noise. When it gets not that time, it comes reach on some level, a negative voice will appear. You talk to you, you will talk say that Jesus talk to you. Why is affliction of evil that want to tempt you? Oui, et ce bruit-là, c'est pas un bon bruit, parce que si on ne fait pas attention, arriver à un niveau, des voix négatives vont venir te parler, et tu vas penser que c'est Jésus. Or, ce sont des manipulations sataniques. That is why I will not allow that thing to be happening in your life. I'm telling you what is I'm seeing and what is spread to you. C'est la raison pour laquelle je te dis ce que je vois qui est proche de toi, qui arrive. What did the doctor say about your life? Qu'est-ce que le médecin a dit? Your life. À propos de ta vie. Je vais bien. Tu vas bien. Oui. Hein? Ok. Il faut bien. Come to my office to explain yourself. I will tell you to go. Quand tu vas venir dans mon bureau pour m'expliquer des choses, je vais te demander de partir.
psalmiste. Il y a certaines personnes qui sont parmi vous ici, ils ne veulent pas de prophéties. Soyez toujours connectés. Soyez pas distraits. Where is your husband? Où est ton mari? It's a big question. It's not a big question. C'est pas une grande question. Réponds-moi seulement. Je ne suis pas là. Pour perdre de temps. Your husband married before he came to you. The same thing that has happened in his life before he married you, separate you. Ton mari a épousé quelqu'un d'autre avant de venir dans ta vie. Et c'est la même chose qui s'est passée dans sa vie. I'm not talking that he épousait that person. He was a person that be as his wife before he lived that relationship because in this relationship. And the same thing is happened to now your marriage. Oui, je ne dis pas que l'homme de Dieu a épousé cette personne, mais il avait quelqu'un comme étant sa femme avant de te rencontrer. Et après, il a abandonné cette femme-là pour venir avec toi. Et maintenant, la même chose se passe dans ta vie. It's not your fault. That is a cause that upon his life. C'est pas de ta faute, mais c'est une malédiction qui est dans la vie de ton mari. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends? Are you aware about that he has sleeping with someone? Est-ce que tu es au courant qu'il vivait avec quelqu'un avant toi? Yeah. Acclamez pour le Seigneur. Prophesy, man of God. And the thing that become be an obstacle to you. Et maintenant, c'est devenu un obstacle pour toi. Il complaint about a children problem. Et il s'est plaint à propos du problème d'enfant. Talk louder. Oui, homme de Dieu, acclamé pour le Seigneur. Dieu, respectez la question. C'est la confirmation de la prophétie que l'homme de Dieu a abandonnée en demandant qu'est-ce que le docteur a dit concernant ta vie. Nous te souhaitons la bienvenue dans le ministère du salut en Jésus-Christ, nouvelle génération. Sœur, est-ce que tu peux nous donner ton nom et nous dire d'où tu viens? Denise Cambon, je suis à l'Église, j'habite à l'Église. Nous te souhaitons la bienvenue une fois encore. Pendant le service de prière et de jeûne de ce vendredi, l'homme de Dieu inspiré et contrôlé par le Saint-Esprit s'est rapproché de toi et t'a donné un certain nombre de paroles prophétiques. Quelles étaient ces paroles prophétiques? Il m'a aussi dit, mon mari avec qui je suis actuellement, il était déjà marié, il avait une première épouse. Et ça, c'est vrai. Il m'a aussi fait comprendre que j'avais des problèmes au ventre. Oui, l'homme de Dieu a dit que tu avais un bruit que tu écoutais souvent à l'une de tes oreilles, que si on ne faisait pas attention, ce bruit-là allait se transformer en une voix. Et tu allais te dire que tu écoutes la voix de Dieu, or ce sont les manipulations sataniques. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vrai. L'homme de Dieu a ajouté que ton mari était avec une femme avant de te rencontrer. Il a abandonné cette femme-là pour être avec toi. Et maintenant, c'est le même problème qui se pose dans ta vie, parce que vous avez un problème d'enfant. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu crois que par la prophétie de l'homme de Dieu, toutes les activités sataniques dans ta vie ont été paralysées et tout ce qui t'empêche d'avoir la paix dans ton mariage a été détruit et paralysé? Nous croyons également avec toi que par cette parole prophétique que tu as reçue, c'est le début de ta délivrance, c'est le début de ta percée. Nous savons que par la grâce de Dieu, le meilleur reste à venir et que tu reviendras ici pour donner ton témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Pendant le service, during the service of prayer and fasting of this Friday, our sister received a wonderful word of prophecy from the man of God inspired by the Holy Ghost. The man of God told her that you used to hear a noise on your ear, and if care is not taken, this noise will transform to a voice, and you will think that you are listening to the word of the voice of God, although it's manipulation. And after that, the man of God gave a prophecy about her husband. The man of God told her that your husband married a lady before you, then he leave that lady and come to your life,
And that is the same thing that is happening in your life. And the man of God also added that she has a problem of children. The sister believed that through this prophecy, she has received her deliverance and her restoration. And we also believe with her that indeed is the case. We know that the best is yet to come and that we come back here to give our wonderful testimony. Thank you, Jesus. That is exactly what is happening. C'est exactement ce qui se passe. Can I prophesy for you? Some people of you that come here to come as spy and to see, and some want to get a problem and to some want to come here to solve their problem. Il y a certains qui sont venus regarder et surveiller, mais il y a d'autres qui sont venus ici pour recevoir la solution à leurs problèmes. That is why some people, when you go to prophesy on them, am I come for prophecy? I'm not come for prophecy. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, quand tu vas leur donner des prophéties, vont dire, mais moi je ne suis pas venu pour la prophétie, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour ça. While God still so mercy on them. Or Dieu montre encore sa miséricorde et sa pitié sur eux. Tell the neighbor, God not look your behavior and see you what you are suffering. Dis à ton voisin, Dieu ne regarde pas ton caractère, mais il regarde ce de quoi tu souffres. Amen. Now. Maintenant. If you believe, as from today, you will cut off from that idol and you will move forward. À partir d'aujourd'hui, si tu crois, tu vas être déconnecté de ces idoles là et tu vas avancer. Amen. Si tu dis amen plus fort, toi-même tu reçois. Amen. Amen. The people wanted to kill me last year. Because I just go and do foundation of five rooms. That is all. These people gather and do their devotion. After doing the foundation, around 7 o'clock, 8 in the morning, around 4:35, I couldn't know myself again. You know that they keep the same way that you are. Your the same means that you are receiving and used to kill one of your brother. Oui, la tu sais yeah, quoi? The second one. They used to kill him like that. Put your hands together for the Lord. Prophesy, man of God. Oui, tu sais que le moyen qu'ils ont utilisé pour essayer de te tuer, c'est de la même façon qu'ils ont tué ton frère. Et le frère confirme que oui, c'est vrai. If not the anointing word and the anointing stick I used to hold, maybe by now. Therefore, don't forget you. Yes, that's exactly what I said. Oui, et le frère ajoute que l'an dernier, il allait faire la fondation d'une maison de 5 chambres chez lui au pays. Et à cause de ça, ils ont essayé de le tuer. Et le lendemain, le matin, il ne se reconnaissait plus, il était malade. Il a dit c'est seulement par la grâce de l'onction et de l'autocollant au moins du prophète Tibi Joshua qu'il est toujours en vie aujourd'hui. Amen. You will disconnect from that idol. Tu vas être déconnecté de ces idoles. But you are not going to receive a phone call until 1 month. Mais tu ne vas pas recevoir un appel jusqu'à. From where you come from, Nigeria. Tu ne vas pas recevoir un appel jusqu'à 1 mois. Oui, c'est bien. Pendant 1 mois. Venant du Nigeria. Est-ce que tu m'entends? God is going to disconnect you, but you are not receive any call that comes from Nigeria until 1 month. Dieu va te déconnecter de ces idoles, mais pendant 1 mois, tu ne vas pas recevoir un appel venant du Nigeria. I'm telling you, the same time a solution, the same time destruction to follow. Dans ce que je te dis, il y a la solution et il y a la destruction. Destruction va suivre. I know what I'm talking about. I'll not be able to open all the things, but I know what I'm talking about. Je sais de quoi je parle. Open it.
Deeper, Major General. Look, if today you are disconnected from that idol, and if you are going to receive a call in that period when they call you the same time, that is where they get you and you become mentor. From there, they will match your life. Oui, si on te déconnecte maintenant de ces idoles-là, si on t'appelle depuis le Nigeria, depuis le pays, et que tu décroches cet appel, tu vas devenir fou et ils vont piétiner ta vie. So that is why I'm telling you, don't receive a phone call after 1 month before you started to answer the call. That come from where you come from. Oui, c'est la raison pour laquelle je te dis, on va te déconnecter aujourd'hui de ces idoles. Et après ça, tu vas passer 1 mois sans décrocher les appels qui viennent du pays. As I'm dis- God has disconnected you today from their kingdom, they will not see you. Quand Dieu va te déconnecter de ces idoles-là aujourd'hui, dans leur royaume, ils ne vont plus te voir. And they will take vaccination to find you. Et ils vont prendre des choses pour te chercher. Vaccination to find you. They will be fresh and ils seront fâchés pour te chercher. And where you, they will not see you because you are covered by light. But what are you going to do? Let them allow them to listen to your voice. Ils vont te chercher, mais tu seras couvert par la lumière de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je te dis pendant 1 mois, tu ne dois pas décrocher un appel qui vient du Nigeria parce qu'ils le doivent écouter ta voix. In the name of Jesus. The mighty of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Your life is secure. Et ta vie est sécurisée. Praise the Lord. Amen. Merci Seigneur, je suis délivré. The same time, pray for your marriage. Et de la même façon, prie pour ton mariage. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends? Pray for your marriage. Il faut prier pour ton mariage. It needs a God intervention. Parce que ton mariage a besoin de l'intervention de Dieu. That is for you. Ah, c'est pour toi. That is for you. Book of Romans. Acclamez pour le Seigneur. Bonjour, mon cher. Bonjour. Sois la bienvenue au ministère du salut en Jésus-Christ, nouvelle génération. Amen. Mais présente-toi, dis-nous quel domaine et de quelle localité tu reviens. Oh, je suis la chantelle de Nigeria. J'habite à Télépé, au Bendo. Sois la bienvenue une fois de plus. Durant le culte de ce vendredi, le serviteur de l'Éternel, le prophète Nébis, est venu vers toi. Il t'a donné quelques paroles de prophétie. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle était cette prophétie? Oui, bien sûr, il m'a donné la prophétie d'esprit et d'or dans mon famille. Tout ce qu'il m'a dit, j'ai mis tout ça en vérité. Puis si nous rappelons bien, il a dit que dans la famille, il voit les idoles. Et les pleurs, il y a un arbre doux, un endroit où on fait ses cérémonies pour les sacrifices pour adorer ses idoles. Donc, est-ce que tu confirmes cette prophétie? Oui, c'est vrai. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et il dit que c'est ça qui est la cause principale de ton problème. C'est à partir de là qu'on te délégue, à partir de là qu'il essaie de détruire ta vie. Exactement. Est-ce
Est-ce que tu peux un peu comment ta vie est, comment ces idoles nuisent à ta vie? Bon, oui, ça dérange toutes les familles. Ça dérange toutes les familles, malgré tout ce qu'on fait pour être comme les autres. Mais les esprits, ces esprits sont trop forts. Mais par la grâce de Dieu, si je vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Parce que l'année passée, j'étais au pays, comme je vous ai dit. J'ai fait d'aller construire la maison. Et le même jour, j'ai commencé à construire la maison. Le matin, j'étais bien. Mais après, dès que les travaux ont commencé à partir, 17h, 18h, comme ça, je ne sens plus mon corps. Donc, mes esprits quittaient carrément. Jusqu'à ce que tout a commencé lundi, samedi jusqu'à mardi. Je n'arrive même pas à me retrouver à moi. Donc, oui. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Oui, l'on a bien dit que, et c'est de cette même manière qu'ils ont tourmenté, qu'ils ont utilisé pour tuer ton cousin et tes frères. Est-ce que tu comprends cela? Oui, oui, il m'avait dit. Le deuxième temps de femme de ma mère, il y a un qui est parti comme ça. On l'a tué aussi de la même façon. Et puis l'un de Dieu m'a dit, ici un mois, il ne faut pas que j'ai reçu l'appel qui vient en Nigeria. Il faut que j'aime et doit me dire qu'est-ce que je vais faire. Et puis si j'ai su ce qu'il m'a fait, ce qu'il va me dire de faire, donc les ennemis n'auront rien à manger. Et tu es prêt à suivre les instructions du prophète? Oui. Amen. Et nous croyons que après avoir suivi vraiment cette discussion, tout sera ok dans ta vie. Parce que la Bible déclare qu'il faut croire à ton prophète et tu prospéreras dans tout ce que tu as pour toi. Amen. Oui, nous prions que le Seigneur te garde, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te protège, afin que tout ce qui n'est pas planté par lui dans ta vie soit déraciné et que la délivrance que tu as eue ce jour soit permanente dans ta vie pour tout le reste de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. By the Holy Ghost, walk up to our brother and give him some word of prophecy. He said that your family background, there is a problem. In your family, people have been worshiping idol, and they used to do sacrifice. And the man of God even described a place where people used to do sacrifice in the family for our brother. After that, the man of God said that the way they killed your brother is the same attack that they bring into your life. And the brother confirmed all the prophecy to be true. And the man of God also told him that today, by the special grace of God, I will disconnect you from all the spirits of idol of your family. And the man of God gave him some instruction. He told him that for 1 month, you should not pick any call that is coming from home. Because whenever you will pick that call, you will run mad, and truth from that, they will destroy your life. As all the prophecy of God come with solution, the man of God prayed for our brother. He delivered him, and after that, the brother believed that he's totally disconnected and delivered. And we also believe with him that indeed, he's totally delivered. And we pray that his deliverance will be permanent in the name of Jesus. We know that the best is yet to come and that he will come back to give his wonderful testimony. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm here. They used to feed you in your dream. Ils ont l'habitude de te nourrir en rêve. It's true. C'est vrai, homme de Dieu, acclamez le Seigneur. And that thing, it comes to one level that you don't understand. Just being like, say, you are eating on this, just being like, say, physical, you are eating. C'est arrivé à un niveau jusqu'à, c'est plus seulement en rêve, c'est comme si même physiquement tu étais en train de manger. Oui, c'est vrai, homme de Dieu. Nestor. Come here. Come on, voilà des signes, go and drop it. And then, the thing seriously attack your life. Et ça sérieusement attaqué ta vie. And you don't know what you are going to do to sleep in the night, just be like say you take for hellfire. It's true.
Tu ne sais pas comment ça te fait. C'est comme si même pour dormir la nuit, tu étais dans le feu de l'enfer. C'est vrai, homme de Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Put your hands together for the Lord. Acclamez pour le Seigneur. Major General, and you don't know what to do. Et tu ne sais pas quoi faire. That didn't affect your life. Et cela a affecté ta vie. And anywhere you go, just be like say, many people are following you to go. Partout où tu pars, c'est comme s'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Prophet, you are right. Homme de Dieu, c'est vrai. Acclamez pour le Seigneur. La solution. Vous avez la solution à cette prophétie. De la parole qui dit la réalité. Nous sommes ici dans le livre d'Apocalypse, premier chapitre, verset 16. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. La confirmation de ce verset, de cette parole. La parole qui dit la réalité, coup de poing spirituel. Power! Sa main droite, c'est la puissance. Puissance. The right hand of God is power. La main droite de Dieu, c'est la puissance. That is the right hand of God in power. In action. The Bible says, in the name of Jesus, every knee shall bow. And every tongue must confess that Jesus Christ is Lord. La Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Fire in the name of Jesus. 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 Watch the streets. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu dans le corps de notre Père est en train d'être déraciné. Voir la puissance du Saint-Esprit. Swim, swim, dans le nom de Jésus. Swim, your spirit soit en life. Swim, your sirène, swim, dans le nom de Jésus. Toi, sirène, nage au nom de Jésus. Swim, nage au nom de Jésus. Swim, dans le nom de Jésus. Nage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Swim, your demon. Toi, démon, nage au nom de Jésus. Swim. Nage au nom de Jésus.
Free. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Free. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Free. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. That is the serum de soul that you are seeing at this moment. Ça c'est la serum de soul que vous voyez avant de manger. Non. 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 Avance. Non. Avance. Non. Avance. Non. Avance. Avance. Non. Avance. Non. Avance. Non. Avance. Non. Avance. Non. Avance. Non. Avance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Three wives. Marie in the spirit. Trois femmes l'ont épousé en esprit. One feed him. Il y a une qui le nourrit. One sleep with him. Il y a une qui sort avec every lui. Every time. Tout le temps. One the torment is. Il y a une qui est là pour tourmenter sa tête. Pick him up. Lève-le. De Sion, vous êtes comme ceux qui vont bien. How are you? Comment tu vas? Je vais bien, prophète. Ok, arrête de me faire la parole. What is happening? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. You can't understand. Je n'arrive pas à comprendre. Mais attends, God, mais je remercie Dieu. C'est que je suis libre maintenant. Dis à ton voisin, le ministère de salut à Jésus-Christ, le Dieu de Saint des Saints, c'est un Dieu de fia fia. Dis à ton voisin, c'est un Dieu de fia fia. C'est un Dieu de fia fia. Maintenant, maintenant. Action, la, sous place. Yeah! Yeah! Do you know what is happening to me? Est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? I don't know. Je ne sais pas, homme de Dieu. You don't know? Tu ne sais pas? Where are you sitting before? Tu étais assis où avant? That is it. Sit, let me see. Assieds-toi que je te voie. Assieds-toi. That is where you are sitting. Tu étais assis là avant. And what brought you come here? Mais qu'est-ce qui t'a emmené ici dans la ville? But the prophecy. You give the prophecy. Mais tu vas donner une prophétie? I give the prophecy. Je te donne une prophétie. But you don't know what is up. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Hein? I can't understand. Je ne comprends pas. Alors, what are you doing? You are rolling in this way. This is the you look at this thing. You are rolling on top of this. Tu es en train de rouler là sur ce tapis là. Non, je ne peux pas faire ça. On y aurait souffert pour le Seigneur.
kinesis. Tu ne peux pas rouler la sous ce tapis-là. Il asked you. Il se demande quoi? What is happening? He asked what? What is happening? He asked you. He asked me about the person you are asking him. Ah, he said whether it's true. Yes. Il me demande si c'est vrai. It's true. Is it true? What the prophet is telling you is true. C'est quoi le prophète te dit c'est vrai? Ask him whether you are running business. Demande-lui si tu roules ici sur cet appui là. Ask him now. The Lord prophesied for you and he has delivered you through that is power that flow upon the life of the prophet. God used that medium to deliver you. Amen. For those demons, there is a three spiritual wife that you are married. Oui, et c'est la raison pour laquelle quand j'ai quelque chose de bon qui veut arriver, quand je vois ces femmes-là en rêve, quand je les vois en rêve, je sais que c'est déjà perdu. Donc je sais que c'est même pas la peine d'aller me présenter là-bas parce que c'est déjà gaspillé. But today the Lord beat that woman, those women, now they are all swim out, they are all diggers, now you are completely free. So the Lord has delivered you, give your life to Christ. Those 18 in a dream that is today, stop. Oui, le Seigneur t'a délivré, donne ta vie à Dieu. Manger en rêve, c'est fini. So you are a new creation, give your life to Christ. Je suis une nouvelle créature, donne ta vie à Dieu. Your past is over. Ton passé est terminé. Your past is over. Ton passé est terminé. You are welcome to Salvation Christ Ministry New Generation. Thank you. Brother, please, can you tell us your name and tell us where you are coming from? My name is Joseph. My name is Joseph Kahawe. I'm a Nigerian. I reside here in Kahawe. You are welcome once again. Thank you. When, during the service of prayer and fasting of this Friday, the man of God woke up to you and gave you some word of prophecy. Can you remind us what was that word of prophecy? The prophecy that the man of God gave me was that I eat in the dream, which is true, that I eat in the dream. I confirm the prophecy to be true. And as all the prophecy of God come with solution, after that the man of God prayed for you. Do you remember what happened during the prayer of the man of God? I did not remember. What I know is that the man there, I did that. And do you believe that through this prayer of the man of God, you are totally disconnected of all those spiritual worlds and that you will no more eat in the dream? I believe. We also believe with you that indeed you are completely and totally delivered. We pray that your deliverance remain permanent in the name of Jesus. We know that the best is yet to come and that you will come back to give your testimony. Amen. Pendant le service de prière et de jeûne de ce vendredi, l'homme de Dieu s'est approché de notre frère. Il lui a donné un certain nombre de paroles prophétiques. Il lui a dit qu'il mangeait en rêve et que parfois ça arrivait à un niveau comme s'il mangeait physiquement. Il ressentait des choses comme s'il était dans le feu de l'enfer. Et après cela, l'homme de Dieu lui a dit qu'il avait trois femmes de nuit. Il y a une qui le nourrissait,
Il y a une qui faisait des rapports avec lui et il y a une qui tourmentait sa tête. Le frère a confirmé que toutes les prophéties de l'homme de Dieu sont vraies. Après cela, l'homme de Dieu a prié pour lui. Et après cela, il croit et nous croyons avec lui qu'il est totalement et complètement délivré. Nous savons, nous prions que sa délivrance demeure permanente au nom de Jésus. Nous savons que le meilleur reste à venir et qu'il reviendra pour donner son merveilleux témoignage dans le nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Jesus.